à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Domekeeper. On continue notre petite run qui se passait pas trop mal en vrai, hein. T'es un petit peu en galère pour déplacer tout ce qu'on a, mais c'est pas si mal. Alors je sais, pour les puristes, on utilise l'ascenseur qui n'est pas oufissime. D'un autre côté, il fait le taf. Ça nous laisse le temps d'aller explorer un petit peu. Alors faut lui déposer plein de trucs, mais voilà, c'est comme ça. Donc on sait qu'il y a quelque chose à creuser là. On va y aller tout de suite. Non, non, j'ai pas déposé. Voilà, l'autre il va pas dans la zone, mais c'est pas grave, hein. Ah, du cobalt, oh. Et un objet. Un objet de plus. Donc on a un objet de plus sur les maps de cette taille, ça c'est cool. Donc lui on va le remonter à la main. Bon, on a perdu un cobalt, c'est pas très grave, de toute façon il nous en fallait plus que ça pour que ça joue. On prend le fruit au passage parce que tant qu'à faire, ça nous fait remonter plus vite, même si on remonterait encore plus vite si on prenait l'ascenseur bien sûr. Alors, le laser étourdissant, bien sûr, on prend et on descend. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. On va se mettre ici. On va faire un petit coup de sonde. Il y a un truc là. Un petit peu d'eau, pourquoi pas. Essayer, ouais, alors je vais dire, on va peut-être essayer de rejoindre l'ascenseur, mais en fait c'est tellement dur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la suite le temps que la jauge d'ennemis se rapproche. On va envoyer une petite sonde d'ici. On n'a rien vu, bah c'est pas cool. Donc on remonte de toute la vitesse de nos moteurs. Alors, on a un petit peu de temps, on va pomper. Et après, on va tout de suite aller voir notre petit laser étourdissant. Alors, on a 28. On pourrait améliorer notre gros laser ou le laser étourdissant. Et je pense que c'est plutôt un bon plan de l'améliorer. Parce qu'il est quand même hyper efficace. Il va se débarrasser de toutes ces petites merdes assez vite. Ah, par contre là, ça il a pas le niveau je pense. On va ralentir tout le monde. Alors ça m'embête qu'il se focus là-dessus par contre, mais bon tant pis. Allez, faut mourir parce que tu nous empêches de tuer tout ce qui est derrière là. Putain, il nous faut tellement la puissance du laser là. Il va stun ça, nous on va s'occuper de ça. Ok, ça passe. On a pompé, on descend. Donc on est d'accord qu'on avait rien détecté, hein. On va aller par là. On n'a rien détecté non plus, c'est génial. On va compléter le chemin par ici, puis on va remettre un coup de sonde. Là-bas, on avait tout récupéré. Hein. Ouais. Oh la vache. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Donc on va ramasser les petites gouttes d'eau qui sont là. Ça peut servir. On va prendre 2-3 pépites et on remonte. Et on va pomper, les amis, que voulez-vous? C'est comme ça. Et on va aller voir plutôt du coup à droite. Alors à droite, on n'a pas du tout creusé depuis ici. Hein. Ah si, il y avait quand même ce truc là.
Ok, il y a quelque chose là. Un petit peu de pépite. Parfait. Ouais, une pépite. C'est pas cool. On fait le chemin par là. Et comme ça on a l'ascenseur pour remonter. Et on embarque tout avec nous, comme des gros sacs. Voilà, c'est cadeau. Allez, 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 plus vite que ça. Alors, est-ce que niveau amélioration on a des possibilités? On est à 17. On pourrait prendre la vie. Je pense qu'on va la prendre. Même si je sais, je disais que j'économisais pour le... Oh putain, il y en a deux. J'aurais dû prendre la puissance. Ah la vache. Allez, on focus tout là. C'est parti. Il faut me défoncer tout ça. Ils sont ralentis. Ils sont stun. On va peut-être en tuer au moins un. Ah putain. Ok, il y en a un de mort. Par contre l'autre. Allez, 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 crève. Crève, 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 crève. Là, on voit le DPS qui diminue quand le laser étourdissant est en place. Alors, salut Xmelio6, bienvenue sur le live, hein, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu me dis, la vie, tu devrais la garder quand tu as besoin de te soigner. Et tu améliores toujours à la fin de la vague de combat, comme ça tu peux te soigner si jamais tu es dans le mal. C'est vrai que j'aurais pu attendre et voir si ça valait le coup de prendre la vie à la fin de la vague, t'as raison. Mais là de toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on crame un petit peu de soin. Toi là, si tu pouvais terminer maintenant, merci. Il faut qu'on pompe. C'est vrai que des fois dans la panique, je fais pas forcément les choses dans le bon ordre, hein. Je suis désolé. Là pour le coup, je plaide coupable. Alors, on avait encore quelques pépites à ramasser là. C'est parti. J'aurais effectivement pu voir que typiquement la vie ça me servait pas et que bah, ça valait peut-être le coup d'améliorer ma vitesse par exemple, ou un truc du style, plutôt que m'embêter à améliorer la vie. Mais je pense que là, sans l'amélioration de vie, j'y passais quand même. Allez, on fait un petit raccourci par là. Hop. On lâche tout ça. On va chercher le reste. Et on va mettre un petit coup de sonde ici. Que dalle. Ah si, putain, tout là-bas. Bon, pourquoi pas. En plus, c'est assez facile à creuser, donc allons-y. De toute façon, il faut quand même creuser un petit peu parce qu'on peut tomber sur des choses que la sonde n'a pas détectées. Hein. Allez, s'il y en avait 3, ok, 2, bon, c'est déjà ça. On va lancer une sonde d'ici. Nickel. On va mettre une petite marque ici pour dire qu'on a besoin de descendre. Et on va aller compléter notre ascenseur. Hop. Voilà, comme ça on remonte avec notre cobalt et tout ça, c'est parti. On a accroché quelques-uns au passage. Alors, on a ça qui est plein, on peut le relancer. Là, on pompe. Hop, on récupère tout ça. On attend que la vague arrive. Comme ça le monstrifuge se recharge. On va peut-être avoir même un petit bonus de 3. Ok, là on met pause. Et on a 20. Pour 20, on peut améliorer notre vitesse. C'est pas mal, mais il faut vraiment qu'on améliore notre puissance. Donc pour l'instant, on va pas le prendre. Il y a Grota. Et plein de petites saloperies. Alors vu qu'il se focus sur le gros tas, on va s'occuper des petites saloperies.
ralentir parce que ces saloperies là étant qu'à mort quand même. Allez, tu peux mourir là quand même. C'est autorisé de mourir. Bon, il va falloir qu'on se mette là parce que les autres elles vont sauter là. Ok, parfait. Au moins elles se font buter par le laser étourdissant. C'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas assez... J'ai même pas regardé, mais on n'aurait pas assez de cobalt. Ah putain, on a assez de cobalt pour améliorer ça. Ça, pour le coup, j'aurais dû le faire avant. C'est un misplay. Alors, on avait trouvé un endroit au creuset. Voilà, j'avais fait un petit trait ici parce qu'il fallait y aller. Merde, ça commence à être un petit peu dur malheureusement. C'était si loin que ça? J'ai raté. Ah, c'était l'autre droite, t'as raison, oui, je vois le petit truc en haut là. Ouais, bah. Petit ratage. Waouh, il y a tellement de pépites. Bah, je vais peut-être laisser les deux qui sont là, là, pour éventuellement un arbre si on le trouve. On va ramener le reste. Une pour rien, reviens là. Hop. Allez vous, faut vous mettre en tas là. Il nous faut qu'on remonte. Ramasser ce qui traîne sur le chemin. Je sais qu'il y en a qui traînent sur le chemin. Voilà, on a le temps de pomper un coup. Et de regarder un peu ce qu'on a. 28, parfait. On va pouvoir prendre la puissance 3. Ça, ça va nous aider. Oh oui, j'ai un gros laser. Bim. Laissez s'occuper des petites saloperies. Ah, il y a une petite merde qui va courir là. Crève. Merci. Bon, c'est pas mal. On est d'accord qu'on n'a pas ramassé de cobalt. Non, donc on descend. On descend sur l'autre droite. La droite qui est à droite. Ah non, tiens, on va passer prendre un petit fruit. Parce que ça mange pas de pain. Donc, on a dit que ces deux-là, on les laissait en cas de trouvage de graines. On va mettre une petite sonde par là. Tout en bas. Je pense qu'on va monter quelques trucs et on va activer notre monstrifuge au passage. Ça fait plaisir d'aller aussi vite. Est-ce que à tout hasard j'aurai assez... Non. Je vais y arriver, je me mélange dans mes touches. Alors, c'est parti, on descend. Bon, le cobalt maintenant c'est juste de la vie, donc c'est plutôt cool. Ah là il y a un gros truc. Ça va être des pépites. Ah, ça devient trop dur. Il faut qu'on améliore notre force, mais d'abord du coup on va descendre ça. Toi viens là.
Voilà, allez, c'est parti. On va taper là-dedans. Oui, c'est dur, je sais. Ça, c'est un mur incassable, ça? Ah, c'est un mur incassable, ça. C'est un bord de map, d'accord. On va lui en mettre un deuxième à lui, ce serait bien. Oui, allô? Avec un peu de bol, il a terminé notre convertisseur, mais j'y crois pas trop. Ok, on a le temps de pomper. Ça serait bien que eux, là. Non, pas toi, pas toi, pas toi. Alors si, on pourrait prendre la méga sonde, là. Avec une charge, mais c'est une méga sonde. Et le monte charge, on peut améliorer la vitesse. On peut avoir l'arme supplémentaire. Je l'avais pas pris, l'arme supplémentaire, il me semblait que si. Ah non, on peut en... Ah d'accord, il y a une petite flèche, autant pour moi. On peut en prendre autant qu'on veut. On va augmenter leur vitesse. Et après, c'est 4 ressources. Ok. C'est le truc principal qui nous permet d'avancer, donc on va prendre ça. On va le blinder un peu. Est-ce qu'on a monté du cobalt? On n'a pas monté de cobalt. Donc on va faire avec ce qu'on a. N'est-ce pas? Il fait un de ces bruits de laser quand il s'active maintenant. Ah, on va s'occuper de lui. Voilà. Bon, on est quand même capable de tuer un de ces gros tas avec notre gros laser là. Quand même. Ok, c'est passé. On a notre charge. On a ça qui est terminé. On en relance en direct. Et on descend. Allez, allez. On tient le rythme. On n'a pas encore trouvé du tout les reliques. C'est tout à fait possible qu'elles traînent dans des endroits qu'on n'a pas creusés. Hein. Parce que malheureusement, la sonde. Elle nous aide pas à faire ça. Ah ouais, non, là par contre, ça va être compliqué. Je pense qu'on n'a pas le niveau pour cette zone. Il va falloir remonter. On va essayer de fouiller un petit peu. Les trucs autour pour être sûr qu'on n'a pas raté justement de reliques ou autre chose de ce genre. Ok, y a rien visiblement. Alors voyons voir un peu cette sonde améliorée. Un truc qu'on a raté là. Parfait ça. Allez, on trace la route jusqu'à notre ascenseur. D'ailleurs, on va plutôt le faire ici. Voilà, maintenant. C'est un petit peu trop dur. Par contre, on monte. Qu'on y aille à la main. Ah, parce que là, ça va bientôt être l'heure là. On lâche un petit peu de l'est. Alors, on va pouvoir se prendre de la vie. Ça ne sert plus qu'à ça de toute façon. Ah là, là on est bien. Ok. Il y a un fantôme. Pas là.
sur un côté. Hop, on pompe et on descend. Ah, il y a le fruit qui est arrivé. C'est parti. Alors, c'était par où exactement? C'était dans le coin, non? Ouais, c'était là. Allez, on va profiter qu'on a notre fruit. Ça aide, mais c'est pas ouf. J'ai l'impression que le fruit là, il nous aide pas à creuser, contrairement au vrai fruit du verger. Peut-être juste aller plus vite. Non. Hop là. Allez, on ramasse. Bon, on va améliorer la force de notre drill parce que ça va être nécessaire. C'est vraiment les fantômes de Death Stranding. Je connais pas, c'est un jeu ou un film hein? Ok, on ramasse tout ça. Notre monstrifuge est tout plein, donc on va monter, améliorer notre truc. C'est le jeu de simulateur FedEx. Ça envoie du rêve comme ça. Hop, on active toi et on va regarder si on peut pas améliorer un petit coup ça. Si on peut l'améliorer pour 20. Ça se prend. Alors on a figé les monstres. On va donc aller essayer de terminer notre petit trajet. C'était par où? Ok, c'était là. Ah ouais, la vache, ça a amélioré mes façons de parler quoi. Disons que maintenant on fait des dégâts quoi. Attends, on va envoyer une petite sonde. Des fois qu'on détecte des choses, non rien. Ah, on a détecté des trucs mais c'est tellement loin que c'est en dehors de notre zone d'écran. Pratique. Non, on a le temps de pomper, si je me plante pas dans les murs. Hop. Et on en a 16. 16, on peut améliorer notre vitesse, on va prendre. Et on attend que le monstrifuge se remplisse. Et c'est parti. Okay, on va s'occuper de lui. Faut qu'on vous tue. C'est pas mal. Ça fait le taf. Alors, c'était le plus bas qu'on pouvait aller et on avait eu un truc dans le coin là. Quelque part vers le bas. Oh mais attends, mais c'est tellement loin et on creuse tellement lentement. Je suis sûr que quelque part dans tout ce bordel, il y a un objet là. Enfin, un truc de... De la relique. Et ça, notre sonde, elle le trouve pas, on est d'accord. Hein. On aura trouvé les choses. Ouais. On a retrouvé le squelette. Un petit peu d'eau. Bon ok, pourquoi pas. Non, faut qu'on en lâche un peu quand même.
on ramène ça là. Bon, on a perdu l'eau, c'est pas très grave. Toi par contre tu fais chier. Deux, on monte. Ah, on a un fruit à récupérer au prochain passage. On a que 3. Ah, c'est la dèche. On va faire le fight avec ça. Ah. Gros tas, ok, on va le laisser stun un peu. Temps de les ralentir. Putain, cet assaut d'un coup là. Allez, j'ai un gros laser là, faut mourir. Ah, mais il y en a deux, j'avais pas vu, il y en a deux, bordel. Bon. Faut qu'on s'occupe du DPS là. Même si ça m'embête un peu. Aïe 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 aïe. J'ai 5 de plus, c'est à dire Zikino. Ah oui, avec cela là. Oui. Effectivement. Mais je suis pas sûr que ça nous aide hein, beaucoup. Le top ce serait la vitesse du laser. Ou non, peut-être les dégâts de plus. Non, ça fait quoi ça? Dissolution des projectiles. Toucher les projectiles ennemis a l'air du... Ok, d'accord. Ça permet d'éviter les tirs, mais ça augmente pas nos dégâts. On peut plus augmenter nos dégâts. On peut avoir le double laser pour augmenter nos dégâts, peut-être. Pourquoi pas. On peut aussi améliorer ça. Et on pourrait surcharger nos... cuve, mais on a plus d'eau. On pourrait ajouter des petits dégâts au laser, pourquoi pas. La sonde se recharge lentement au fil du temps, ça nous sert à rien. Ça, plus de ressources pour les ormes, oui, pourquoi pas. Mais effectivement, je pense que peut-être le double laser, voire l'amélioration de la drill. Alors déjà, on va se prendre un peu de soin. On n'a pas besoin de pomper, donc on descend. Bah le convertisseur, on a rien d'autre à améliorer en fait, parce que on ne fait que... Ah non, j'imagine que... Non, pour les 5 de plus, tu parlais du convertisseur, pardon. Ok, ici, on avait d'autres trucs à miner. On va faire un petit coup de sonde pour voir. Il y a des trucs en bas. Ok, il y a des trucs en bas. On va aller ramasser ça. Enfin, déposer ça plutôt. Toi, tu m'emmerdes. Petit, ça fait un crochet. Le virage, il passe pas. J'ai oublié le fruit, t'as raison. C'est pas bien. Allez, il fallait encore un coup. Mais c'est un petit peu trop, on allait le chercher malheureusement. Ok, c'est de l'eau, il y en avait un par là, je sais plus où exactement, mais c'était globalement dans ce coin là. Ok, du cobalt. Bon, un de chaque. C'est toujours ça de prix. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller ce gros truc. Voir si on n'a pas raté un objet ou un truc du style. Qu'est-ce que c'est que ça? Trouver des téléporteurs à un sens unique. Appuyez sur R pour placer l'œil. Appuyez de nouveau pour vous téléporter jusqu'à lui. Ma foi, d'accord. Alors du coup, genre, je dis... je le pose là et je pourrais revenir, du coup. Parce que là, c'est un petit peu la merde.
Oui, j'arrive. Est-ce qu'on a des améliorations prenables? On a 20. C'était pas l'amélioration de vitesse qui était à 20? Carrément. Hop. Parfait. Allez, on lui crame la tronche. De pas oublier les 5 fruits et légumes par jour, c'est vrai. Et là en plus on va se téléporter donc on va même pas vraiment le prendre en plus. Alors, on a le monstrifuge, il faut qu'on pompe. On va aller chercher le fruit et après on va se téléporter. Il était par où le fruit? Là. C'est cool parce qu'on le voit juste pile poil. Et ensuite je fais R. Ok. Ça va nous permettre de... vite fait fouiller ces trucs là. Ok, il n'y a rien d'autre. Ici on n'est pas bien par contre, c'est pas bien ça. Ok. Alors il est resté dans mon inventaire l'œil bizarrement, alors que c'est censé être... Ah, ou c'est à sens unique? C'était à usage unique ou à sens unique? Merde, je me souviens plus. Ah bah... Bah alors petite sonde, qu'est-ce que t'as fait? De la merde? Bouge pas, je t'en dépose. Voilà. Je peux peut-être le replacer ailleurs, ouais. Je vais essayer. Genre... On aurait quoi d'autre à fouiller? Je peux me dire, tiens, je le mets là. Ah oui, c'est ça. Je peux le passer autant de fois que je veux, mais c'est sens unique. Très bien. Parfait, on va finir de fouiller là. Allez, on remonte. Merde, putain, on en envoyait partout. Tant pis, c'est pas grave. On n'a pas besoin de pomper. On va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. On a 12, non, on fera rien pour 12. En fait, on monte tellement vite, je pourrais me permettre de rester un petit peu plus. Pour 12, on n'a pas une petite amélioration du laser. On va lui mettre un petit peu de dégâts, allez. Ça mange pas de pain. Oula. Putain, il va trop vite mon laser. Je rate mes virages. Hop, toi t'es mort. Toi t'es mort. Toi dès que t'apparaît t'es mort. Pareil pour toi. Et ici, c'est parti. On va défoncer toutes les petites saloperies qui passent devant là. Parfait. R. Cool. Allez, on en ramène un petit peu à notre ami ascenseur. Parce que du coup, il remonte à vide là, c'est con. J'aime beaucoup les effets de lumière dans ce jeu. Bon, on va quand même relancer une petite sonde au cas où. Ouais, il y a d'autres trucs là. Là, on va être un petit peu trop chargé. Faut qu'on en lâche un peu.
Oh là là, l'enfer, les trucs qui rebondissent jusqu'à l'autre bout du monde. Bon, vous êtes tombé où? Tout là-bas. Ah, il se recharge l'œil, on dirait aussi. Alors, maintenant on aurait quoi à fouiller? Ça, on a quand même plutôt bien fait le tour. Peut-être là quand même. Bon, il y a une goutte d'eau qui a décidé de m'emmerder, c'est ça, hein. On a bien vu tous les... On a bien tous vu. Hop. Donc du coup, je peux me dire, hop, je le place là. Je ramasse quelques trucs au passage et on monte. Ah. Voilà, faut que j'en lâche un peu. On a ça qui est terminé, on en lance un autre, et c'est l'assaut, ils arrivent direct. Alors, on a quoi? 26, 27, 28, 28. Pour 28, qu'est-ce qu'on peut faire? Améliorer notre capacité de chargement, on peut prendre les doubles lasers. Je les ai jamais pris. Ils ont enlevé, avant c'était soit la puissance 3, soit les doubles lasers, maintenant on peut prendre les deux. Donc on va regarder un peu comment ça marche, hein. Écoutez. Ah la vache, ça va me faire des nœuds au cerveau ce truc. Ah putain, c'est horrible. Oh la vache. J'aime bien de rester de ce côté-là pour choper les petites saloperies qui sautent. Non, l'autre sens. L'autre sens, l'autre sens. Comme ça. Non, comme ça. Ah la vache. Ah ouais, non. C'est horrible. Ah, ce truc de fou. Hop, allez, on va chercher le fruit et on se TP. C'était pas comme ça dans ton souvenir, Zikino? Bah écoute, je sais pas comment c'était avant, ils ont peut-être changé depuis la release, mais j'avoue que là, ça m'a un petit peu retourné le crâne. Zut, je me suis gouré du coup. Alors... on en a trouvé juste là, tiens. J'avais pas fini... Ah oui, parce que c'était hyper dur. Et il en a trouvé un tout en bas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut creuser jusqu'à lui? Ah! Ça c'est cool. Par contre on voit pas du tout par où il va. Il va falloir que on fasse... Ok, il va plutôt par là. Très bien. Donc on va pouvoir nettoyer tout ça. À l'époque le deuxième était beaucoup plus petit, du coup tu voyais tout de suite lequel tu contrôlais. Bah en fait techniquement je contrôle les deux. C'est juste qu'il bouge exactement inversé quoi. J'accorde que dit comme ça, c'est un peu bizarre. Bon, on va se mettre à la recherche de la relique. Donc on va poser l'œil là. Lâcher un peu de trucs à récupérer là. Hop. Hop, toi. Ici. Toi. Ici. Et donc ça va plutôt par là-bas la relique. C'est parti. On a plus la sonde. Ouais, le second est le miroir du premier, c'est ça. Oui. Ouais. Alors oui, quand je disais qu'on contrôle les deux, y en a un qui est miroir. Du coup ça fait un peu brainfuck. Mais techniquement on peut du coup se servir de celui qui est le plus proche de la menace quoi. On sait qu'il va aller dans l'autre sens, tout simplement.
sais pas si je suis bien clair. Dans ma tête c'est très clair en tout cas. Ok, là ça va vite. On va mettre un petit coup. On n'a rien trouvé, on fait demi-tour. Allez go. On va avoir le temps de pomper un petit coup. Alors, hop, hop. Ok, c'est maintenant. Combien on a? 10. On est pas loin avec 10. Si on peut améliorer les dégâts du petit laser. Eh ben, on va améliorer les dégâts du petit laser. Ça me paraît pas mal. Voilà, par contre, clairement, il faut le. Il faut la tête correctrice pour ce truc, hein, parce que c'est tellement l'enfer. C'est cool. Il va se débarrasser de tout ça. Non, merde, il est déchargé. Ibi. C'est la violence. Alors, on a dit qu'on cherchait toujours notre relique. Pour l'instant, je vois qu'un seul trait. Il a l'air d'aller par là, mais normalement, il y en a deux. Donc, on va quand même fouiller un peu. On va envoyer un petit coup de sonde dès qu'on aura cassé ça. Ah yes, là il y a un deuxième trait. Est-ce qu'il est allumé? Yes, il est allumé, donc ça veut dire que c'est par là. Depuis que t'as le double laser, ton cerveau est parti loin. Ah j'avoue là... c'était violent. Hein. Petit peu d'eau, pourquoi pas. Ah. Ok, je pense qu'on a la relique. Maintenant, il faut qu'on trouve les deux autres activateurs. On va poser notre téléporteur ici déjà. Très clairement, on va revenir là. Peut-être que la visée n'est que sur le principal. Ah oui, c'est vrai que je pourrais prendre le petit truc d'aide à la visée. Même si c'est sur les deux, ça aiderait carrément. Alors, il y a l'air d'avoir les deux, ils vont par là-haut. Ok, plus haut, ok, il y en a un là. Alors du coup c'est celui qui est là qui est allumé, donc ça veut dire que c'est par là. Il va falloir que on rentre. Oh, ils arrivent plus à rien les pauvres petits liens de liaison là. Totalement en PLS. Allez on pompe. On va terminer le monstrifuge mais on le fera au prochain coup. Est-ce qu'on a des choses intéressantes pour 17? Ça c'est 30, ça c'est 30. Ici on a tout pris. Ici on a peut-être ça qui pourrait être pas mal. Voyons voir les autres. La sonde. La sonde qui se recharge tout seul au fil du temps. Ça me paraît pas utile. Plus de ressources. Ouais, non, bah ouais, pour le coup. On va prendre ça du coup. On va économiser le reste pour essayer éventuellement d'aller chercher une meilleure foreuse ou dissoudre les lasers ennemis, c'est pas mal aussi. Mais on arrive sur la fin là, je pense. Ah c'est vrai que j'ai dit que je prenais le ça là. Hop là. Et bah non. Hashtag l'enfer. Enfin ça fait le taf hein. Cela dit hein, c'est quand même cool. Puis avec la tête correctrice c'est quand même hyper puissant hein.
voilà. On peut activer ça, c'est pas encore tout à fait plein. Voilà, c'est plein. Alors du coup, on avait dit c'était plutôt par là. On va mettre une petite sonde, je pense pas qu'elle détecte ça, mais ça va peut-être nous donner des pistes. Un petit peu de cobalt, ouais, pourquoi pas. On va pas cracher dessus. Ok, là on voit, il y a un trait qui va par ici. On est loin là. Ok, ça continue de monter. Non, on n'est pas passé loin, j'ai l'impression tout à l'heure là. Ah ouais, c'est juste là. Bon, et la vague est toujours pas active, donc on a largement le temps d'aller chercher notre copain. Ah, il en manque un. Ah ouais, il y en a un qui est pas allumé, qui va par là. Merde. Le coup dur. Je pensais que ce serait bon. Oh, bon, ça va, il était pas très loin. Bon bah on n'aura pas trouvé la... On n'aura pas trouvé malheureusement la tête enflammée, c'est bien dommage. Mais on va pouvoir remonter tranquillement avec ça. Allez c'est parti. C'est vrai que je suis pas obligé de terminer le run, t'as raison. Je peux continuer de chercher la tête. T'as tout à fait raison, Zikino. Du coup, on va faire un petit peu sur les côtés. Ici, normalement, on avait plutôt pas trop mal géré la découverte, là. Peut-être de l'autre côté. Le squelette, il y avait un squelette et un œil de ce côté-là. Alors je sais pas trop comment est la génération aléatoire, mais du coup ça se pourrait qu'il y ait plutôt le pet de ce côté-là, vu qu'il y avait le fruit. Rien de fifou. On va fouiller là-dedans. Ça irait de pas oublier les vagues quand même, hein, parce qu'on est bien, mais ce serait dommage qu'on meure. Alors, on en est où? On a 11 pépites et 11 cobalt. Bon, au moins on a de quoi tenir un petit moment en termes de vie. Ah non, c'est vrai, faut que j'attende comme ça, sinon le monstre refuge il se charge pas. Bah non, j'ai pas de mini-pet trop mignon malheureusement. Je cherchais le mini-pet d'Halloween, mais je l'ai pas trouvé encore. Ah, c'est horrible. Ah, on va les ralentir un peu. Ils sont tous les deux du bon même côté. Oh putain, en plus celui qu'on avait commencé à encaisser il se met derrière donc on lui fait même pas de dégâts. Si, ça y est. J'ai pas posé mon téléporteur. Bon, en même temps, j'avais pas grand chose à faire à part fouiller. Alors du coup, il y a là où on n'a pas tout fait au centre, même si ça m'étonnerait. Ok, il y a rien là. Ici. Il n'y a rien. Alors, quoi d'autre? Là non, là c'est plutôt propre. Là il y a pas mal de trucs à fouiller. Là. On voit un petit coup de sonde, mais je pense pas qu'elle détecte les objets spéciaux là, sonde. Non.
des pépites, plein de pépites. C'est toujours ça de prix, hein. Ah, et puis ça, c'est du mur qu'on peut pas casser en plus. C'est marrant les murs qu'on peut pas casser en plein milieu du. De la map, quoi. Comme d'hab, il y a plein de pépites qui se sont barrées n'importe où. Hop, toi tu viens là. Hop, 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 hop. Bon, il nous aura quand même bien aidé en vrai l'ascenseur. Hein, dans cette carte. Je sais que c'est pas le meilleur artefact pour récupérer des objets et tout, mais. Franchement, il a fait le taf. Alors avant, on le garde. Hop là, on va tellement vite de toute façon. Non, y a rien. C'est l'heure de remonter. Je l'ai pas amélioré, non. Enfin, je l'ai amélioré un peu quand même. J'ai amélioré la vitesse et j'ai rajouté deux orbes. Donc c'est pas, c'est quand même un petit peu amélioré. On a toujours que 11. Donc, on attend qu'ils arrivent avec. Okay, bah il se fait s'occuper de ça. Ah merde, non, il y a un gros donc il s'en occupe plus. Les petits ils vont sauter, ils vont traverser le flux de laser, ils vont se faire défoncer donc ça m'inquiète pas trop. Permettre de prendre une réparation. Ok, on a pompé. Il faudra que je place mon téléporteur par contre. Faut que j'y pense. Donc, dès qu'on voit un gros tas de pépites, c'est là qu'on le met. Voilà. On est parti. Un petit coup de sonde. Alors j'avais réservé des pépites pour planter l'arme. Je crois que c'était là d'ailleurs. Celle qui était là. Ah, ça c'est prometteur ça. Un petit œuf tout orange. Donc il faut le laisser se mettre et pousser. Ah, et on a ça d'activer en plus. Je sais pas quand est-ce qu'il est clos. En attendant, on va là. On va essayer de fouiller un petit peu plus. Il y a des trucs tout là-bas, mais on peut pas y aller parce que il y a des murs incassables. Un petit peu de cobalt et un petit peu d'eau, pourquoi pas. Et il y a des yeux qui me surveillent, tout à fait, bien sûr. C'est Halloween ou pas? Du coup, il y a des yeux qui surveillent ce que tu fais. Allez, on va monter voir. Est-ce qu'il est sorti? Ouais, il est là! Coucou, petit crâne! Parfait! Halloween, ici Mac. Ah, tu m'entends pas, Canton? Il y a un souci de son, quelque chose qui déconne? Non, Halloween. Ah, Halloween, ici Mac. Oh là là, mais heureusement qu'il y a Chobiti, hein, parce que je fatigue un peu, je pense. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ça, on n'a pas. Bon, bah, de toute façon, on va aller chercher le. On va aller chercher notre relique, hein. Je pense qu'on est pas mal là. Ah, il y a la petite musique qui s'active quand on la prend. Attention, ça va être l'assaut. Ah, on peut même prendre ça. On va pas en cramer parce que ça aura pas le temps. Alors, si on récupère toutes nos ressources, à quoi on a droit?
Alors, le Ashworld, j'ai compris, mais pas le Macintosh. Bah, je pense que c'était pour faire un double jeu de mots. Avec Halloween et du coup Windows Mac. Ardarin n'aurait pas fait mieux. Je pense qu'on peut le dire. Ardarin n'aurait pas fait mieux. Alors, on peut prendre dissoudre les projectiles. On peut pas améliorer notre petit laser de toute façon plus. On peut pas améliorer ça. Donc on va prendre dissolution des projectiles. Et c'est parti. Bim! Notre dôme est sauvé! On a débloqué un nouveau compagnon et une nouvelle taille de carte. Et on peut débloquer le flétrissement, affaiblit tous les monstres, ce qui réduit immédiatement leur santé restante. Ah, pas mal. Mais je pense qu'on va prendre le dôme épée, histoire de changer un petit peu de gameplay pour voir. Et on va pouvoir jouer avec le dôme épée, puissant dôme équipé d'une épée qu'il est possible de maîtriser pour vaincre les agresseurs. Et je sais pas du tout comment on fait pour tuer les ennemis à distance avec. Peut-être que je peux pas. Bah, j'espère que si, parce que ce serait quand même embêtant. Ok, on peut l'envoyer. Il a l'air d'avoir une petite jauge où on peut le jeter. Ok. Avec masse de cobalt, tu penses on peut gagner la vague? Alors, je sais pas si elle est gagnable. J'avoue que je suis parti du principe qu'elle était pas gagnable. Sinon, j'aurais pu cramer mon cobalt pour me soigner. Effectivement, j'en avais pas mal d'avance. Mais il y a peut-être un succès si on arrive à la passer, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on va arrêter l'épisode de VOD là, en tout cas j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez faire un petit coucou dans le chat, je bois un petit coup. Et je suis à vous. Merci à toutes et à tous, et à très vite pour la suite.